Donc vers le mois de mars 46, nous sommes arrivés en quart de finale de la Coupe de France puisqu'il existait deux compétitions, championnat et la Coupe. Nous étions qualifiés pour la Coupe de France et en quart de finale, nous, nous allions rencontrer, nous devions rencontrer l'aviron bayonnais sur terrain neutre au stade municipal de Bordeaux. Par contre, ce qui n'était pas neutre, c'était le train, parce que. Train spécial pour vous savez les gens ne se déplaçaient pas beaucoup par, en voiture ils se déplaçaient par le train train spécial pour les équipes du BO de l'Aviron et leurs supporters respectifs je pense ce qui n'était pas commun c'était le, le, le wagon restaurant on ne pouvait pas mélanger les deux équipes au wagon restaurant et euh, le premier service dîner c'était pour l'Aviron Bayonnais Deuxième service, c'était pour le BO. Si bien que nous nous trouv sommes trouvés dans, dans, un, dans un wagon, l'équipe du BO en, à la queue le rencontrant l'équipe d'aviron à la queue le dans le sens inverse. Et j'étais, moi tout jeune, puisque j'avais 19 ans, tout jeune joueur du BO, en tête de mes, tous mes camarades, suivi de Arisa Balaga, qui était un troisième lit de classe. Mais surtout un colosse. Et qui est-ce que je vois arriver, sortant donc du premier dîner, premier, premier service dîner, les joueurs de l'Aviron, avec en tête René Rozza, qui qui était aussi le, le vedette de l'Aviron, vedette, parce qu'il a été international bien avant. Et la semaine avant, euh, René Arrozza avait rencontré chez Aimé Clément est Joré Guiberi. Aimé Clément était un grossiste en fruits et légumes. Il avait rencontré M. Pujol, l'homme qui avait toujours des chaussures bicolores. Euh, Pujol euh, chambre un peu René Arrozza lui dit donc, Tu vas avoir affaire à Arisa, enfin, ça ne va pas être du gâteau pour toi, etc. Puis René, qui était franco-molore, lui dit eh ben, Arisa, c'est un joueur de chant extraordinaire, mais. Euh, j'aimerais lui voir démontrer une plus grande efficacité en touche. Il faisait allusion à quoi C'est que Jacques-Arisa Balaga était très court sur pattes. Pour un troisième lit, à l'époque, il ne devait même pas mesurer 1,75 m. Et donc, euh, René Arroza pensait que du fait de sa taille, il n'aurait pas l'efficacité d'un troisième lit normal. Mais M. Pujol, qui deviendra plus tard président du BAC, eh bien, il avait déformé un peu la réponse de, de René Arrozza et était arrivé aux oreilles d'Arisa qu'il avait dit qu'il se dégonflait dans le jeu de touche. Alors ils se sont rencontrés et ils ont dit, dis donc qu'est-ce que tu as dit de moi dit Arisa Balaga à Et il lui dit, dis donc tu t'es permis de dire que j'étais un dégonflé, je vais te montrer tout de suite si je suis un dégonflé ou pas. Alors euh, René Arrozza a dit, on ne va pas se donner un spectacle ici. Dans... Te dire que je n'ai pas dit ça, on en parlera plus tard. Mais si tu veux, on peut se rencontrer sur un ring de boxe. Eh bien d'accord. Et c'est ainsi que l'affaire le, que le, que a été pr mis, prise en main par Noguès, qui était président de la commission de boxe de la Ville en Bayonnais, et qui avait organisé la rencontre le mercredi suivant, c'est Algarade. Le juge qui avait été choisi, c'était un nommé Raymond Maeo, qui était le speaker officiel des courses cyclistes de la région ici. Car est arrivé, qu'il a entendu dire qu'il voulait boxer à poings nu, il a dit, moi il n'est pas question que j'arbitre un combat hein, sans que vous le portiez de gants. Et c'est ainsi donc qu'ils se trouvaient ils sont face à face avec évidemment tout le public autour, parce que l'histoire avait, avait débordé. Et... Les limites du train. Bah. Mais ils ont voulu que le combat se, se dispute au finish, c'est-à-dire 100 minutes de repos. En garde, avant-garde, ils euh, il commencent, donc trois coups de, de, de poing, et Aronset demande un petit arrêt. On savait qu'Arozza avait un, un problème au genou, si bien d'ailleurs qu'il n'avait pas pu disputer le match de Rugby, un problème au genou, et qui, qui se déboîtait, ou je ne sais pas. Attends un petit peu. Alors, Ariza Balaga était le type de la grande classe. Mais bien sûr, moi, je, 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 je m'arrête, j'attends que tu aies. Bon. Alors, bon, ça va, ça va mieux. Oui, j'avais deux ou trois coups de poing, de nouveau, mon pauvre Arozza, plié en deux, le, le genou ne répondait plus. Alors on a beau être entraîné en rugby, euh, au bout de quatre ou cinq rounds, je pense qui s'intéressait plus à la boxe qu'Arisa avait une meilleure technique, fait enfin, un brin de technique et l'autre pas du tout. Au bout de cinq, 6 rounds, il n'en pouvait plus, ni l'un ni l'autre. Monsieur Nogues était à ce moment-là rentré sur le ring, il a dit « Bon, maintenant mes amis, c'est terminé, serrez-vous la main, on va au bistrot. Bon, » ils sont, ils sont montés chez Chasserio à l'époque, ils ont bu, bu un peu ensemble, jacques Arizabalaga a quitté le BO, il a signé à cognac, on lui offrait une très belle situation en représentation d'un cognac, bien entendu. À partir de ce moment-là, il était représentant pour tout le Grand Sud-Ouest, et figurez-vous, chaque fois qu'il venait sur la côte, la première personne à qui il rendait visite, c'est René Arroza. Et ils mangeaient ensemble. Et quand jacques Arizabalaga est décédé, en 85, René Arroza a assisté aux obsèques. À la sortie, il est allé embrasser madame Marisa Balaga. elle, elle avait pris un truc à et lui avait dit si vous saviez René Arroza, combien il vous aimait. Ça est magnifique la chute de cette anecdote. Voilà. C un derby, c'était en 1958. match réserve euh, Bayonne-Biarritz, match aller à Aguilera. C'est une qualificatif pour les 16e finales. Et je crois qu'il y a trois partout. Mais au bout de 28 minutes de match, bagarre générale. Bon, euh, comme ça se faisait un peu à l'époque. On joue un match qui est d'une violence rarissime. L'arbitre prend peur parce qu'il y a trois blessés graves deux du côté Biarro, un du côté Bayonnais. Et au bout d'une demi-heure de jeu, décide d'arrêter le match. Donc, match arrêté, et 15 jours après ou 8 jours après, match rejoué en terrain neutre à Souston. Personne ne comprend très bien euh, cette décision d'aller jouer, surtout que c'est un match de poule, euh, sur un terrain neutre. Avant le match à Souston, M. Dubois, qui était notre entraîneur et dirigeant de l'équipe, m'avertit, me dit voilà, nous avons une réclamation contre toi. Une réclamation Et dans quel sens Une réclamation parce que tu as joué à 13. Ah oui, oui, effectivement, mais je lui dis, mais vous êtes parfaitement au courant, et la fédération est au courant, et il y a eu une dérogation pour que je sois euh, requalifié normalement. Comme les, joueurs, les dirigeants de, Biarrise, de Bayonne à l'époque euh, étaient sûrs de, de leur fête, on dit, bon, ils que le barreau porte réclamation, ça, ça vous est égal. À l'époque, jusqu'à l'âge de 20 ans, on pouvait jouer... À 13 ou à 15, passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Moi, j'avais fait 20 ans le 15 janvier 1956. J'ai joué le 22 janvier 1956 un match à 13. L'aviron avise la fédération en leur disant voilà, il euh, y a une semaine d'écart entre la date limite et la date. Et la fédération dit OK, on accorde la licence. La licence m'a été accordée, j'ai rejoué, donc ça faisait déjà pratiquement deux ans que je jouais d'une manière normale sans que personne n'ait trouvé à redire. Pourquoi le BO a porté réclamation Parce qu'un monsieur qui s'appelle personne il décédait il y a fort longtemps, qui s'appelait monsieur Lesca, qui était dirigeant de la nautique, qui était marchand de fruits et légumes au de Bayonne, avait trouvé avait une, une licence prouvant que j'avais donc joué ce match une semaine après mes 20 ans. Et il avait été la monnayer au dirigeant de Biarritz, M. Irigoyen, qui était président de la commission de rugby. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions, mais je sais qu'il avait des fonctions au, au casino à Biarritz, parce qu'à l'époque, c'était... Euh, C'était pas municipal, enfin je ne sais, je, je ne sais pas quoi. Et l'histoire dit maintenant, je dis bien que c'est l'histoire, je n'ai pas été vérifié, je ne sais pas si. aurait donné à M. Lesca l'équivalent de 2000 francs, pour les 2000 francs de l'époque. Mais il a invité M. Lesca à venir chercher l'argent au casino, dont il était un des administrateurs. Et ils ont donné l'argent à Lesca, qui, lesca, s'est empressé. De jouer et ils lui ont repiqué tout l'argent. <laughs> et à ce moment-là, la règle était stricte, toute personne qui jouait à 13 était bannie euh, au rugby. Les dirigeants de l'Aviron, dont M. Dubois en particulier, disent Mais nous, nous sommes parfaitement en règle, nous avons la licence d'Irivéry qui a été accordée, la fédération est au courant que ce match a, a été joué, mais compte tenu. Du peu d'écart de, de, qu'il y a entre la date limite et la date du match, nous accordons la licence. Donc, fort de cela, le, le, les biarros disent s'ils ne jouent pas, on ne porte pas réclamation. S'ils joue, on porte réclamation. Autrement dit, le marché était je pouvais jouer tous les matchs sauf contre eux. Réclamation est portée, et après moult discussions de partout, la fédération décide de donner match perdu à l'aviron. Et euh, de me radier. Je passe devant euh, un tribunal de la, de la Fédération, accompagné uniquement par M. Arrozza de, de la Viro et euh, qui essaye de me défendre comme il pouvait, mais euh, les, à l'époque, ce qu'on appelait les, les vieux par-dessus, Jorégui, Leroux et compagnie, décident de me sanctionner et de confirmer la sanction qui a été prise pour moi. Et je me suis retrouvé donc. À 22 ans, radié, ne pouvant plus jouer au rugby, attendant euh, qu'un jour euh, je puisse être réhabilité. Cela a entraîné euh, des débats assez extraordinaires. Ça a fait la une de tous les journaux. Euh, J'avais évidemment tous ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, c'est ce qui est logique et normal. À la suite de cela, les relations entre. Le BO et l'aviron bayonnais ont été plus que tendus. Je ne peux pas vous dire avec exactitude le nombre d'années, mais je suis sûr que c'est au moins 15 ans où il n'y a eu aucune relation. Il n'y a pas eu un match amical, alors qu'il y avait des matchs amicaux entre toutes les équipes euh, réserve, junior, cadet, écoles de rugby. Il n'y a rien eu. Pendant minimum 15 ans, aucune rencontre amicale n'a eu lieu entre Bayonne et Biarritz. En championnat, évidemment, c'était obligatoire, mais mis à part les matchs qui étaient euh, donnés par la fédération, il n'y a eu aucune relation entre les deux clubs. Bon, maintenant, l'eau a passé sous les ponts, hein. j'ai vécu d'autres choses et ça m'a permis quand même de vivre une vie de rugby assez pleine. C'était mes débuts, je me rappelle très bien, c'était en 78. Le premier Biarritz Bayonne que je joue, et bien, voilà, côté introduction, côté, côté introduction Biarritz, côté introduction Bayonne, de je puis changer de côté. Alors, je ne comprenais pas grand-chose, mais après j'ai compris qu'il y avait un contentieux. Et Pascal, il débutait pilier, mais pas pilier droit, il, il, il jouait à gauche. Je ne me rappelle plus qui c'était, Quoi, c'était euh, Francis et Cheverry. Non, euh, Salaberry jouait à droite et Pascal jouait joué à gauche, mais il ne savait pas jouer, parce que pa Pascal c'était plus un droitier qu'un gaucher. Et il avait tendance aussi lui à baisser, baisser alors, euh, notre talonneur et tout ça, il ne pouvait, pouvait pas talonner. Francis, il avait l'habitude de jouer derrière Bordagaray souvent. Et qui à un moment, Bordageraille s'effaçait un peu pour que Francis puisse se passer et faire euh, ce qu'il avait à faire. Quoi. Et en fait, Pascal, c'était sa première année, et Pascal, il était hors de question qu'il euh, qu recule de 50 cm. Quoi. Et lui, ce qu'il voulait, c'était crever le mec en face. Il ne pensait pas à nous, il voulait crever le mec en face. Au niveau des 40 mètres, on un moment donné, je vois Francis qui retient le bras, puis c'est Pascal qui joue en face de moi. J'arrive à mettre Pascal dedans, je le laisse passer en dessous, et puis je ne sais pas quoi, à un moment donné, j'en ai, ai eu marre comme ça, j'ai dit j'envoie une, une tech. Et là, sur une mêlée où je m'y attendais pas du tout, il y a euh, un bras qui est passé, manque de peau, ça a ricoché sur moi. D'un voilà. seul coup, mon beau, ça part. L'autre, c'est Pascal qui a mangé. Mon beau, il a eu, je crois, huit jours de, de, de chamon noir. Tu vois, il, il... Ben non, hein. il a défoncé la tête. Hein. Et l'autre, s'il avait pris ça, il calme. Marron, en pleine poire, il était parti avec neuf points de suture. Il respectait oh. tout ce qu'il pouvait, Pascal, parce que bon, c'est vrai que c'était terrains-là… Si Agède l'avait chopé quand même, il lui démontait la tête, hein, je te le dis. Hein. Et Agède, il a, il a éteint la lumière à Pascal Ondas. Quoi. Non, mais j'étais pourri, mais c'est moi qui ai payé l'addition, il en faut un, mais c'est pour… Euh, il, a dû, il a dû te, te raconter comment ça s'était passé. Bon, mais ça faisait partie des péripéties d'un de, derby. Mais il a pris une belle, voilà. Bon, je m'excuse Pascal, mais bon, sorry. Et Francis oh, était là, il était vexé, encore vexé, encore plus vexé, je crois, parce qu'il avait loupé son coup. Et que là, et puis il arrive, il me rappelle, il restait 10 minutes à jouer, on menait là-bas, je crois 9 à 5, un truc comme ça. Et puis là, il arrive, il nous touche au niveau des 22 mètres, il prend le ballon en premier sauteur, il retombe, il fait semblant de donner le ballon, et puis il trouve un, un trou, il passe dans le trou, je me rappelle, il a Villa Campaille, Turisque de cul par terre et le voilà parti, il ne nous plante pas laisser. Et il a finalement, mais bon, il avait, pour nous, c'était aussi bien qu'il me, si, qu me chope et qu'il qu ne me plante pas, et, parce qu'il aurait été tout content, il n'aurait pas été plus loin. Mais bon, c'est comme ça, ce sont des anecdotes qui font que... Bon, et finalement, Francis, sur la colère, et bien, il gagne le match tout seul. voilà j'ai eu euh, une dizaine de points de suture et puis surtout, euh, euh, je n'avais pas, pas quitté le terrain quand même parce que le, la journée valait mieux que le, les neuf points de suture qu'on avait fait après. Il y en a un paquet d'anecdotes comme ça, mais c'est des trucs qui, qui sont... Qui sont non, mais c'est... La vie est belle. Lors d'une tournée au Canada, on était passé par Vancouver. Non, on était de, de, du Japon, du tournoi au Japon, on est passé par Vancouver. Et on avait fait une traversée de Vancouver dans les montagnes. Bon, il n'y avait que 500 km de bus. Hein. Pendant deux ans, je m'occupais de la cagnotte, c'est-à-dire, bon, j'étais quand même un ancien, et puis eux, ils étaient là. Et ils étaient toujours à l'heure, toujours bien sapés, toujours propres. Si euh, c'était tenus numéro un avec cravate, ceci, cela, mais toujours ce qui était dit. Donc, pendant deux ans, pas un centime à la cagnotte. -à il, il, pas de défaut. Donc, un jour, il arrive, pouf, tout le monde qui attendait, on attendait à Jette et Cholet. Les deux s'étaient endormis. Une fois arrivé le truc, pff, ah. bien sûr, on sort, tout le monde se frottait les mains. Et là, les mecs, bien sûr, à moi, il me chauffe, il me dit, tu ne vas pas te mettre à la place d'Agette Oui, oui, je vais me mettre à la place d'Agette. Et Pierre, comme par hasard, il avait pris la place à côté du chauffeur. Et je lui dis... Comme moi, je suis quand... Je suis en et comme ça, il me faut la place pour, pour mes jambes. Pierre, me, je lui dis, Pierre, tu ne vas pas rester là, tu ne tu, tu peux, peux pas rester là, je ne peux pas faire 500 km comme ça. Je me mets là, et puis je dis, bon, si, si vous payez, vous, je vous laisse la place. Cholet, il arrive, il avait déjà le billet de 10 francs, le billet de 10 francs il me donne le billet, pousse-toi petit, je me pousse, il rentre à côté... De, il se mettait toujours derrière le chauffeur. Il se met au coin du truc, et puis l'autre, il dégage de là. Hop, il dit, attends, donne d'abord les sous. Je vais te payer après, non Les sous d'abord, Et puis là, il commence à respecter. Le vieux Ferras qui me l'a au fond du car. Puis finalement, bon, ce n'était pas le but de rechercher, mais bon, le but de rechercher, c'était lui montrer qu'il faut une fois il allait payer. Puis bon, lui, il était vexé. sur bon, Il était pas trop vexé. Et puis, il était parti au fond du car. Et puis là, bien sûr, les autres l'ont chambré. Il a rien voulu savoir. Pierre, il est resté à ma place. Et je lui ai dit dans le car « Pierre, écoute-moi bien. Tu te rappelles, je te, je, je te choperai, Pierre. Je te chopperai, Dojpy. Je t'attraperai, Dojpy. Et voilà. Et trois ans après, trois ans après, s'il vous plaît, trois ans, il y a eu un masque, Bayonne-Biarritz. Et à un moment, j'ai vu euh, Francis Ajet, qui était euh, très placide, très. faire un geste sur Dojpy, par exemple. Et bien Pierre, il a eu droit. Voilà. Je lui dit, parce que j'étais sanctionné hein, à, à 10. Je lui ai dit, tu te rappelles, Pierre, la place Et personne n'avait compris, parce que le match se passait totalement euh, bien. Quoi. Et tout le monde, alors moi j'étais au bord par terre, j'ai ah, ça va, ça va. Il me dit, ouais, ça va, ça va. J'ai dit à Francis, mais ça s'est appris. Et Francis s'est approché comme ça, il lui a dit, ça, c'est pour la place dans le bus. Voilà. Et ça, bien sûr, ça fait tout le. Toute une histoire. Je suis un rancunier. Euh, après les autres derbys, euh, bien sûr il y a eu le quart de finale contre euh, le quart de finale de Tarbes qui avait qui avait été chaud quand même. C'est vrai qu'on avait... On avait passé la semaine avec Serge Blanco. D'ailleurs, les deux, on n'avait pas été très brillants sur ce match-là. Mais on avait passé la semaine ensemble à répondre aux interviews. Je crois qu'on avait passé plus de temps ensemble qu'avec nos coéquipiers à préparer le match. Toute la semaine, tous les jours, on s'est vus faire des interviews, croiser. C'est fou, hein J'avoue que la semaine avait été épique, quoi. Ça avait été un très grand moment. Et puis voilà quoi. Et puis je me rappelle ici, petit village Saint-André où j'habite, euh, 700 ou 800 habitants, euh, des, des gens que je n'avais jamais vus au rugby. Et puis tout d'un coup, qui se mettent à décorer les voitures. Euh, je ne savais pas forcément si étaient baillonnés au biaro Et puis tout d'un coup, euh, les voitures qui étaient décorées, les unes à euh, rouge et blanc pour le BO, les autres bleu et blanc. Et puis tout compte fait, ça avait, ça avait créé une certaine euh, atmosphère. Et, une certaine ambiance dans le village, ce qui avait été très très sympathique à l'époque. Après le match en lui-même, ça, ça a été quelque chose. Quoi. Quand on rentre à l'époque, c'était difficile quand même d'avoir de, de, autant de monde. J'ai vécu les derbies, mais ça c'était quand même un derby à part, dans la mesure où le stade de Tarbes était plein à bondé de 10 ou 12 000 personnes, ce qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là. On arrive au quart de finale un peu par hasard, parce qu'on avait une équipe jeune à l'époque. Et c'est vrai que les Biarro avaient eux une équipe, une équipe confirmée. Mais c'est vrai que ça avait été un match, un match très propre, un match très engagé. Ça avait été correct, parce que je sais que en avaient parlé, la, la télévision notamment avait parlé de retransmettre le match, et ils n'avaient pas voulu. Ils avaient peur qu'on se batte, qu'on se batte, et pour le spectacle, pour la télévision, ce n'était pas bon. Et finalement, ça avait été un match très très propre. Je crois qu'on avait joué à Tarbes en fin d'après-midi, avec avec un temps magnifique, avec le soleil sur les Pyrénées. Et, un stade Maurice Trellut rempli, rempli à bord. Mais surtout, bon, le match, il, il bascule sur quelques actions. Euh, mais je me souviendrai toujours qu'à un moment, j ai, j ai, je reçois un ballon, on avait bouclé Serge sous les poteaux, on récupère le ballon, j'ai le ballon entre les mains, je suis en train de, de, de la marquer. Et là, l'arbitre siffle. Euh, et là, je me demande ce que peut bien siffler cet arbitre. Quoi. Et Serge, avec son, son opportunisme euh, habituel, réagit immédiatement et lui dit ⁇ Oui, oui, il y a en a un avant, monsieur l'arbitre, il y a en a un avant ⁇ Et il y a mêlé comme ça, euh, alors que bon, c'était un moment où le match pouvait basculer. J'étais coincé dans le paquet, hein, je suis ah, en avant, je crie comme ça. Et, effectivement, <laughs> le joueur baïonné qui a ramassé le ballon, fait un en avant. Que, que l'arbitre perçoit, d'ailleurs. Et Patrice partait pour marquer un essai. Je vous laisse au seul juge. La rumeur dit que ce Manco avait été félicité l'arbitre pour, pour cette bonne décision. Là il était fou quoi. Là il était fou. Si il avait pu me tuer mon réduit. Et ça fait partie de, 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 des moments exceptionnels, quoi. des moments qu'on pouvait se permettre autrefois de, de, de faire et de vivre. Bon voilà. Mais bon, ils ont été contents, on n'a pas été champion de la France. Bon, voilà. C'est vrai qu'il y avait le recul, maintenant je me rends compte de l'importance de, de la dernière saison jouée. Et même si à l'époque on avait eu on avait un peu en travers parce qu'on avait perdu de cette façon-là, je crois que Serge Blanco méritait une sortie aussi belle. Puis ce jour-là, bon, il y avait un joueur qui avait été touché par la grâce, c'était Franck Orion qui avait, qui avait eu le rebond favorable sur l'essai, euh, alors qu'on était avec Serge en train de se tirer la bourre sur le coup de pied à suivre de Jean-Luc Rivière. Euh, le ballon passe au-dessus, et Franck Orion qui, qui est derrière, lui a le ballon dans les bras, il va marquer en marchant, et il passe ce drop de, de plus de 40 mètres en coin. Dans ce champ qu'après le match fini, je veux dire, on s'est retrouvés, et, et les premiers à nous dire qu'il faut gagner la demi, c'était Bayonnet, ce c'était personne d'autre. Ils étaient heureux pour nous. Bon. Ça aurait pu être deux. Eux, ça a été nous. C'est un concours aux circonstances. Euh, Franck euh, Corriens qui met ses deux drops, euh, je pense qu'il n'a pas mis aucun depuis. Mais bon, euh, ce jour-là, il les a mis. Et bon, euh, la était pour nous et bon, on a su, on a su en profiter. C'était écrit, ça devait se passer comme ça. voilà. Mais c'est vrai que c'était c'était un match, un match marquant. quoi. Je ne sais pas, mais ça avait été hyper important pour nous, je veux dire, de, de, de gagner Bayonne. C'était peut-être la finale avant la lettre. Lors de ma première expérience d'entraîneur en 1995, on, on s'était retrouvé en, en Coupe au Moga. Euh, donc là on jouait la, plutôt la descente. Et, le, et en fait, le dernier match de cette Coupe Omoga euh, se déroulait à Biarritz. Euh, au match aller on avait fait 9-9 à Bayonne. Et l'équipe qui gagnait allait rester en élite 1, parce qu'il y avait une élite qui se constituait avec 20 clubs. Et l'équipe qui perdait se retrouvait en élite 2. Et nous on s'était préparé à sous justement, on était parti le jeudi pour sortir la, de la pression. De la pression de ce match-là pour bien le préparer. On était au Lac à temps, je me rappelle. Et c'est vrai que ce match-là avait été gagné 9 à 7, je crois, ou 9 à 6, sur trois pénalités au titre de la maison. Mais on avait senti les joueurs chez nous très très, très concentrés et motivés avant le match. Et ils avaient gagné ce match, ce qui a été douloureux pour le BO aussi, puisque ça les a menés à descendre. Mais enfin, comme c'est un grand club, ils n'ont pas tardé à remonter. Mais là, ce qui m'a fait beaucoup de peine à faire à l'époque, c'est de voir les bayonnais. Danser le fandango sur la pelouse, danser le fandango sur la pelouse d'Aguilera. Et ça, je ne l'ai jamais encaissé. Ça, ça c'est un truc que je n'ai jamais encaissé, Bon, parce que tu peux être content. Mais là, ils étaient contents, non pas d'avoir gagné, parce qu'ils en ont gagné d'autres matchs, mais là, c'était de nous envoyer en deuxième division. Euh, moi, je ne m'en rappelle pas, en plus. Honnêtement, je ne m'en rappelle pas quel mec qui est dansé. Donc, euh, bon, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Parce que là, c'est de, de, de voir les gens qui dansaient le Fandango, là. Parce que les joueurs, non, mais bon, ils sont très contents de gagné, les joueurs de la l'Avuron, parce que là, tu, tu gagnes le derby. Mais là, il y a eu un envahissement du terrain à la fin, et là, venir danser le truc, alors là, c'est. tout. Autrement, bon, ça ne l'empêche pas de vivre, c Je sais ce que j'ai ressenti, moi, personnellement. J'ai eu un abattement qui a été mais quelque chose de fort, de de terrible quoi, hein, de, 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 ça fait mal aux tripes quoi, hein, c'est, bon voilà, ça j'ai ressenti, voilà. Mais c'est vrai que quand on me dit « ouais mais Jean-Michel Gonzalez, il avait dansé et tout », je dis « bon mais je sais pas, je sais pas si Jermi ou d'autres avaient dansé, je m'en fous ». D'ailleurs je m'en fous puisque Jermi c'est moi qui l'ai fait venir à Pro B.O. donc euh, je m'en fous complètement. C'est pas ça le problème, le problème c'est de dire euh, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça, l'analyse du match, et est-ce qu'on a fait chose de bien et Bon, et bien on s'aperçoit que si on a perdu, on n'a pas fait chose de bien. On n'avait pas su euh, prendre ce match. Et, et, mais quelque part, ça je me souviens que je l'avais expliqué aux dirigeants de, de, du B.O. à, à l'époque, euh, et je l'avais expliqué avant le match, euh, je pense que c'était un mal pour un bien, parce que ça avait permis au club de se restructurer, euh, de couper en fait avec la génération 92. Il fallait basculer sur une nouvelle génération de joueurs. Et, euh, et donc le BO s'était restructuré, avait pu se reconstruire en élite 2, et ça a donné ensuite toute la période un peu faste qu'a connue le, le club. Ça a été le début de cette, cette évolution, de cette construction. Alors que l'Aviron, qui lui euh, était juste peut-être un cran au-dessus de, pour ce match-là, euh, avait galéré en élite 1 et il avait plongé ensuite en deuxième division euh, et, et s'était retrouvé donc en difficulté pour, pendant quelques années. Quoi. Là, il n'y a pas eu de cadeau de la part euh, de Club Basque. Club Basque, on était deux clubs basques, mais il n'y a pas eu de cadeau. Il hein. n'y a, a pas eu de cadeau parce que Bayonne nous a expédié en deuxième division. L'année d'après, euh, ils les ont croisés sur le BAB, mais l'un qui partait sur le, euh, euh, en pro des deux et puis l'autre qui, qui montait. Il faut remettre tout dans son contexte. L'aviron remonte, euh, n'est pas con, forcément considéré comme étant euh, un grand du championnat. On Avec une défaite, on avait eu six victoires de rang, je crois, en championnat. On en venait de recruter Trai, Yari Nordoki, donc euh, voilà, on était... Euh... On était parti pour gagner des titres. Heureusement, on les a gagnés d'ailleurs, mais euh, bon, c'était la, la, la grosse équipe. On avait commencé à parler de Galactique dans la presse euh, et l'aviron qui, qui remontait euh, était promis, normalement, une belle déculottée. Et on les reçoit le 18 septembre 2004 à Aguilera. Et bien sûr, et bien archi favori. Il n'y en a que pour nous et pour moi, pour tout le monde. Bon. Bref, il est baillonné, pas de bruit, mais bon, remonter parce que je crois, peur de perdre. De se faire tordre parce que c'est vrai que Biarritz était l'équipe en forme. On avait été champion de France en 2002, on avait perdu en demi-finale en 2003. Donc ils venaient chez nous pour, pour, pour pas perdre ou pour pas trop en prendre. L'heure du départ arrive, pas de problème. Et puis on sort, on sort avec Yannick. Puis on descend les marches du Mercure, on voit le bus et on voit une escorte de police. Un motard devant, un motard derrière. Je me dis, on n'est pas l'équipe de France. Pas besoin être escorté, on va à 5 km de là où on se trouve. Je me dis, c'est pas terrible, pourquoi on est escorté Et donc monte, je monte dans le bus, porte du milieu, je m'assois à première place, Yaya se met à côté de moi, il y a Et puis je ah, tu as vu un peu ce qu'il y a là-devant. Et derrière, il me dit, j demain, je vois le sud-ouest, l'équipe, le middle, l'aviron de maillonnée, escorté pour prendre 50 points à Guilherme. Je le voyais gros comme une maison, c'était euh, écrit. On était parti avec un projet de jeu, mais bon, pour limiter la casque, quand même, parce que bon... Euh... Et quand on est dirigeant, et surtout un dirigeant comme je suis, avec autant de vécu derrière lui, on dit « Attention les gars, faites attention, le derby n'est jamais pareil qu'un autre match. » Donc on essaie de les sensibiliser, euh, les gars, quand euh, vous parliez d'anecdotes tout à l'heure en termes d'étrangers, si on peut appeler étrangers, tout du moins des joueurs qui ne sont pas du de, 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 euh, coin, de euh, les gars, ouais, ouais, mais moi je connais parce qu'à Perpignan euh, je joue contre euh, Narbonne ou contre Béziers. L'autre il te dit, ouais, mais moi je suis à, 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 à Toulouse parce qu'à Colomiers, tu m'en chef. Enfin bon, ouais, mais moi, voilà. Je dis, non, les gars, vous vous trompez. Un derby, c'est différent. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de petit. Et finalement le match débute. Je me rappelle d'après mêlée où on se fait prendre. Après, lancer lancé de travers. Ça y est, le match, était, le match était lancé. Ça sentait pas bon du tout. et Il est bâillonné, petit à petit, ils sont mis à y croire. Après il y a eu quelques cadeaux de fée de la part de, de notre part. Et j'ai fait une belle petite boulette sur ce match, j'ai euh, pris un essai en fait de mon côté avec le demi d'ouverture qui m'avait tapé dans le dos, j'ai voulu sauver la touche. Au moment où je me suis retourné pour attraper le ballon, j'ai glissé, l'élié les, les bayonnet a pris le ballon, a marqué entre les poteaux. Et le miracle arrive, on gagne. <laughs> Et on perd. Et on perd. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr qu'ils ont pris la foudre après hein, derrière les joueurs. Moi en tant que dirigeant, euh, derrière, euh, on est vexé, on, on, on a perdu. Euh, ça remet presque en question, euh, je dirais, une, une saison. Ça avait été un drame. Quoi. Je me souviens, ça avait été... On, on avait pris une pression derrière. C'était vraiment euh, tendu au possible. Ça a été une, une, une belle claque, je crois. Mais pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, même pour les dirigeants, l'encadrement. Parce qu'à l'époque, on... On se croyait intouchable et Sarbaï nous avait fait remettre les pieds sur terre. Et c'est vrai que je rappelle après ce... sur le terrain c'est très passé parce que sur le terrain, il n'y a pas eu de soucis. Mais je crois que allez, trois quarts d'heure après le match, j'étais ici, au même endroit, ici, dans le noir. Mais moi, sur cette anecdote-là, fait sur ce match-là, j'ai quand même une anecdote. Qui m'a euh, euh, motivé pour le reste de, de, de la saison, c'est quand je rencontre Cléda et qui, à la fin du match, me dit euh, Désolé, mais c'est bien quand même, vous avez pris un point. Et après, il y a y le bonus défensif, tu vois. Quand tu prends ça dans les dents, tu prends, tu manges, tu dis Merci Cléda. En plus, Cléda, venant de chez nous, de... enfin, yange à biris quoi. Donc, c'est ça qui alimente les, les, les trucs. Euh, ça n'a pas été méchant, quand il le dit Il n'y a, a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité. Mais quand tu passes ça dans la, dans la tronche, tu dis putain, mon pauvre, cof. enfin bon voilà. Alors là, la nuit commence à tomber. On rentre au chapiteau, et à peine on rentre, Forestier, Fofo, me voit gentiment, me dit rentre, rentre. Et il m'invite, il y a une table, à manger un petit morceau là. Et là, manque de pot, le, le générateur là, tombe en panne. Et donc, on se retrouve avec des bougies. Donc, si tu veux, c'était une image que j'ai parce que euh, on est resté par politesse, parce que gentiment ils nous ont invités, c'est gentil. Moi, que les deux sur la tableau de 10, eux ils étaient à côté et ils parlaient du match perdu 2h ou 3 h avant, Mais ce, cette bougie. Il est de première classe. Mais vraiment, je, je, on ne peut pas être pire, les pauvres, parce qu'il fallait que juste le générateur tombe, se, tombe en panne. Donc c'est vraiment des moments qui sont, qui sont, qui sont difficiles. Et, et là, les joueurs ont perçu ce que c'était véritablement un derby. Mais chaque derby est un match avec euh, 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 un nivellement euh, exceptionnel. Il n'y a pas l'équipe forte, il n'y a pas l'équipe faible. Mais le fait de, de perdre le premier match à, à Aguilera à, alors que Bayonne venait de remonter dans l'élite, ça me fait prendre vraiment conscience de toute l'importance de, de, de ce match, de ce derby, ne serait-ce que, 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 que par rapport à la, à la tristesse que j'ai pu voir sur les visages de tous les anciens supporters, de toutes les vieilles mamies qui étaient là, qui pleuraient à la sortie du match. Et, et, et Pendant deux mois, je crois que je ne suis pas sorti de, de la maison. C'est sur jour que j'ai pris conscience de de l'importance de ce match. Et ça, après, ça te motive. Après, derrière, et bien, tu vas gagner sur le match-retour. Tu, tu leur mets 42 points. Il te manque 4 sermés mecs qui sont, qui sont sélectionnés. et d'après, si tu peux en filer encore, tu en refiles. Tu en mets 60 ou 70, je ne sais plus, ou 50. fait enfin, bon, voilà quoi. Donc, c'est ce principe de nivellement qu'il faut respecter. Il faut se dire qu'un match, un derby, il n'y en a jamais un qui est fort et l'autre qui est faible. Il y a deux entités et ces deux entités ont de la fierté. Et ce jour-là, il y en a un qui a plus de fierté que l'autre. Côté biarro, on en a parlé euh, au niveau des supporters. Et puis au niveau du club, on n'en a plus trop parlé parce que j'ai plus trop joué. Mais c'est surtout euh, au niveau de, des supporters bayonnais qui, euh, qui m'ont... Euh... J'ai gagné, gagné des jambons, j'ai gagné, <laughs> j ai, j ai gagné plein, de, plein de cadeaux. Donc en fait, c'est un gars, monsieur brillant, que je ne connaissais pas du tout, qui est charcutier à Bayonne. Et euh, j'ai reçu donc trois euh, ou quatre jours après un chronopost à, au club. Avec. Euh, donc, euh, c'était pas un chronopost, pardon, c'était un, un avis de passage. Le facteur était passé. Et je vais aller chercher à la poste un, un, un jambon, qui était dans un paquet bleu et blanc, et avec euh, les amitiés de, de monsieur Briand, qui me remerciait pour euh, mon super match, etc. etc. La défaite au Biarro est venue grâce à lui, et la victoire au Bayonne aussi, par conséquent. Et donc, euh, et bien, ce pauvre Bernard Salle, il a été euh, l'héritier du fameux chapeau. Néanmoins, il faut quand même dire que pour nous, les Bayonnais, c'est un très grand joueur de rugby. C'est vraiment le style délié que l'on aime dans le genre du Prat, la Gisquet, qui pour nous est resté évidemment Bayonnais, malgré qu'il les entraîne à eux. Mais bon, il est évident qu'un type comme Bernard c'est un très, très grand joueur. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a fait avec la plus grande sympathie, la plus grande gentillesse. On se un peu quand même, parce qu'il bon, faut quand même garder un petit peu un état d'esprit comme ça, quoi. Donc, euh, bon, une anecdote assez rigolote, à part que ce monsieur brillant euh, n'a rien trouvé de mieux que de le dire euh, dans tous les journaux, toute la presse locale et tout, et donc c'est un truc qui m'a pourri euh, un mois de, 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 me, de mon existence à Biarritz, ça a été l'enfer. Entre les supporters et les. Euh, donc voilà, j'ai eu la voiture rayée à la maison, j'ai eu pas mal d'anecdotes un peu, un peu négatives. Et donc c'est vrai que le derby, je trouve ça excellent, mais il faut que ça reste au niveau du, du sportif. Et après, quand on commence à avoir des, des conneries comme ça, c'est vrai que c'est toujours un peu, un peu embêtant et dur à gérer. Moi, ouais, je m'occupe d'une coopérative où la moitié des, des adhérents sont biarro, l'autre moitié bayonnaise. Évidemment, en parlant d'entre eux, j'ai reçu un chamango, il y avait plus que l'os à gratter, mais bon, c'est de bonne guerre. <laughs> Non, on a renvoyé une, une grosse andouille, comme il était charcutier, je crois que ça, ça s'est imposé. Donc on a renvoyé un os, euh, l'os du jambon et puis une andouille pour euh, le remercier. En, en plus en lui disant euh, très sincèrement que le jambon était très bon et, euh, et je lui avais fait passer un petit mot comme quoi il pouvait en renvoyer d'autres et puis il n'en a plus jamais renvoyé. J'ai plus joué de derby non plus, c'est peut-être pour ça. Ça m'a pas gêné du tout d'aller à la poche chercher un jambon, c'était assez rigolo et je trouvais ça. Bon voilà, je me suis raté sur un match. Euh, voilà c'était assez ce qui m'a le plus gêné c'est que euh, le l'encadrement le, Biarro et le staff m'a gentiment remercié le week-end d'après ils ont reconduit tout le groupe et, euh, et sauf moi sur 23 joueurs et ils m'ont envoyé jouer le week-end d'après euh, un super derby en national B qui était Biarritz Bayonne à Biarritz au et euh, voilà donc ça c'était un peu plus emmerdant ça m'a un peu plus euh, vexé gêné touché que, que le jambon Parce que le jambon c'était anecdotique mais c'est vrai qu'au niveau sportif et Sanctions sportive. Le week-end d'après, me retrouve au polo face au Bayonnais avec le match que j'avais fait le week-end d'avant. Je vous laisse imaginer ce que j'ai pu prendre et entendre. Donc voilà. Après ce qu'on avait fait les quelques années passées à Biarritz et puis j'ai arrêté ma carrière sur, on va dire sur, ce, sur cette histoire là, quoi. Parce qu'après j'ai rejoué un ou deux matchs à Biarritz, mais manière de marquer le coup parce que j'avais joué à sept ans à Biarritz. Déjà, la première motivation, c'était d'aller mettre une grosse branlée à l'aviron sur le match retour. Ça, c'était un première de motivation. C'est-à-dire que là, on avait des objectifs. Dans 2004, quand on perd à, Guidera, on, bon, on perd à et euh, Pierre Barat, hein, qui est un type intelligent, avait sorti un jour calendrier magnifique hein, d'Apagne à Bayonne. Et ce calendrier, j'ai placardé, 15 jours avant le derby, il me retourne à Bayonne. Dans le vestiaire de Biron, Il y en avait au plafond partout, Jamie. Et c'était l'agiste qui entraîneur à l'époque. <laughs> il était noir, il m'a dit il n'y a, a que toi pour faire ça. J'ai dit pour faire quoi Il me dit c'est ça, oui. J'avais fait des copies couleurs partout, il y en avait. Dans le vestiaire, il y en avait partout. Vous imaginez que le match retour, il était préparé il a le, le calendrier de la Peña bayona J'avais laissé Jacques Delmas faire le discours d'avant match. Et Jacques Delmas avait, avait, eu un, <laughs> avait, fait, avait fait un discours extraordinaire et il avait démarré en disant aux joueurs, euh, franchement, regardez-vous, regardez le, le groupe qu'on a euh, aujourd'hui, euh, quel est le, le joueur de Bayonne euh, qui pourrait prendre la place dans ce groupe Allez, À part le chauffeur de bus, <laughs> quel est celui qui pourrait jouer dans cette équipe <laughs> Il avait démarré comme ça. Et l'anecdote du, du chauffeur de bus, mais ça, je me souviens, ça, je m'étais caché, bon, ben, j'avais failli éclater de rire. Quoi, et je me disais, mais les joueurs quand ils vont entendre ça, comment ils vont réagir quoi Mais quelque part c'était très bon parce que c'était à la fois vrai et en même temps ça détendait un petit peu l'atmosphère. Mais ça avait été vraiment extraordinaire. Parce que celle-là, elle était ressortie pendant quelques, quelques mois. Hein, le coup du chauffeur de bus, ça avait été, ça avait été gratiné quand même. Voilà, et on avait gagné en marquant 45 points quand même. Et on avait remis un petit peu les, les pendules à l'heure quand même. Ouais. Ouais. Cette année-là, on est champion. Et puis, et puis voilà, le, le petit bouclier en 2005, on l'a à la maison. Alors, euh, à part que, que je ne joue plus de la saison, euh, on s'en fout. Et puis, euh, ce qu'on retiendra, c'est qu'on était champion en 2005. Quoi. Ça ne face rien. Tu peux être champion de France, ça ne rien. Ça ne rien, parce que le derby, c'est toujours le derby. Ouais. Voilà, c'est pas. Non, non, euh, non il faut gagner les deux. Il faut être champion de France et gagner le deux Voilà. Pardon Une fusion entre les deux clubs. Quel serait ton sentiment Il y a des moments, je n'entends pas bien. C'est le problème, je n'entends pas bien. Des fois, je suis sourd. C'est un peu comme l'histoire du monstre du Loch Ness. Ça, ça revient très souvent sur le tapis. Et... Mais je suis sûr que personne, qu'aucun des deux clubs n'est prêt à faire la fusion. Il faudrait attendre que tous les anciens mayonnais, tous les anciens bières meurent. Hein, et comme une génération se renouvelle, il hein, vaut mieux que ça soit comme ça. Personnellement, je ne vais pas connaître, hein, et ça n'apporterait rien du tout. C'est de l'utopie, ça, c'est pour remplir les pages de journaux, ça. Moi, je préfère avoir l'aviron hein, qui, qui est en tête, hein, et le BO après quand même, hein, malgré que je les aime bien. Et puis qu'il n'y ait qu'un club, le blanc de Bayonne, et le rouge de Biarritz, ça m'ira très bien. D'abord, je vais te dire, et moi, s'ils font fusion, ils feront moins de spectateurs qu'on en fait la vie actuellement. On connaît l'orgueil des deux clubs, des deux villes, et on sait très bien qu'aucune ville ne lâchera sur l'autre. Moi je suis pour que ça reste comme ça, qu'on fasse des derbies et qu'il y ait toujours cette animosité amicale entre Bayonne et Biarritz. Pourquoi faire une fusion tant que les deux clubs arrivent à vivre à ce niveau-là On le voit aujourd'hui entre Bayonne et Biarritz, économiquement, financièrement, c'est quand même deux clubs qui ne qui, qui, qui sont pas à la rue, y a, y a, pour l'instant tout va bien. Euh, raisonner en simple terme économique est une erreur. On ne fusionne pas si on n'en a pas la volonté, l'amour et l'envie. Je ne suis pas sûr non plus que un plus un fasse 1. C'est très compliqué à faire. D'abord, il n'y aura jamais fusion entre l'Aviron Bayonnais et le biarritz Olympique. Si on veut tuer un projet de rapprochement, il faut parler de fusion. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait un des deux grands clubs, parce que je les appelle les grands clubs, hein, qu'un des deux grands clubs meurent. Je me souviens d'une d'une rencontre que j'ai faite et qui nous avait amené à avoir un, un léger conflit et à moi de, de, de prendre les, les rênes de Biéris Olympique en 95 96 c'était que les deux présidents d'alors, de Bayonne et de Béris, voulaient déjà euh, euh, s'associer. Moi je t'ai monté au créneau euh, contre, contre cette, euh, cette vision-là, parce qu'un jour on, on, on nous avait dit, vous savez, euh, on, je vais parler en franc donc, croyez un petit peu, on avait un budget de 7,5 7 millions de francs pour le club Omnisport e à Biarritz et il devait y avoir 8 millions peut-être pour, pour Bayonne. On vous avait dit, vous vous rendez compte les gars, 7. Plus 8, on va faire 15 millions, 15 millions de francs, c'est énorme, on va, on va, on va jouer le haut du tableau. Euh, très exactement, 15 ans après, il y a deux clubs qui ont 16 millions d'euros chacun. Ça fait 32 millions. Regardez un petit peu la différence. Et on nous avait dit surtout qu'on ne trouverait pas l'argent. Pourquoi faire une fusion Il y a, a qu'à voir toutes les fusions qu'il y a eu dans beaucoup de clubs, où ils en sont. Et à qui tu vas faire jouer Si déjà tu fais une fusion avec les meilleurs joueurs, où il y a un paquet d'étrangers. Alors déjà que quand il n'y a pas la fusion, les jeunes restent sur le quai de la gare. Alors dis-moi où il sera le rubis au Pays-Basque. Le jour où tu n'auras plus l'argent pour aller chercher ces, ces, ces soi-disant grands joueurs. On dit ici on est fiers de nos couleurs. On est fiers de nos couleurs. C'est quelque chose de très fort ça. Enfin, parce que le jour où tu es fier que de tes résultats, le jour où les résultats sont plus là, de quoi tu es fier Nous on est fiers de nos couleurs. Et derrière tout cela... Il y a tout ce que porte et véhicule le club comme valeur qui l'ont amené à être un exemple, une référence et je dirais à un certain esprit aussi qui est celui du Pays basque. Et moi je suis contre la fusion. Mais pourquoi contre la fusion Parce qu'une fusion veut dire assemblage des deux clubs. Ça veut dire aussi plus d'identité. Ça veut dire aussi à l'avenir mort d'un des deux clubs. Biaris doit continuer à exister comme Bayonne et que ces deux entités soient fières de se rencontrer, de se caresser les oreilles ou les fesses s'ils ont envie. Mais je crois que la dignité même fait qu'on ne peut pas effacer autant d'années d'histoire rugbyistique. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura que les grandes métropoles qui pourront avoir un club de haut niveau. Si par exemple la situation économique, nous sommes quand même le même bassin de vie, deux clubs à 5 km d'intervalle. Imaginez que demain, M. Kemp ne soit plus là, que M. Aflelou ne soit plus là. Bon, il faut quand même probablement se mettre autour de la table pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on est en train de faire du rafistolage, on ne peut pas appeler ça autrement à Bayonne, qu'on est en train de, de mettre quelques gradins d'un côté, des gradins de l'autre, avec ce stade qui n'est pas un stade de rugby. Malheureusement, c'est un stade fait pour beaucoup de choses, mais pas, le public n'est pas suffisamment proche. À l'opposé, à Biarritz, nous avons, un stade euh, qui est pour jouer au rugby extraordinaire parce que le public est sur les joueurs de ce, de ce côté-là, mais qui n'est pas assez grand, qui n'a pas les, les, les dispositions euh, valables pour. Euh, moi, je pense très sincèrement, nous aurions un stade qui serait situé à Anglette, quelque part, ou, ou un petit peu à l'extérieur, j'en sais rien, je, je ne sais pas où, mais de 25 000 places ici, avec le public qu'il y a, rugby qu'il y a surtout le pays basque, nous serions sûrs. D'avoir une grande équipe avec un grand public. Moi, je verrais plus la construction, peut-être, d'un stade, d'un endroit en commun, qui permette de, de, de vendre du produit, de cumuler euh, euh, des partenaires, d'avoir de, 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 quelque chose qui soit, qui soit différent, qui soit nouveau. Moi, je dis, honnêtement, maintenant, il faut mettre tout à plat, faire un stade ou pas un stade, on fait un stade et on, on, on se marie, parce qu'il faut le faire maintenant, c'est pas dans 10 ans, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Si on doit faire quelque chose un jour, c'est la holding. Rugby Pays Basque. Avec un centre de formation, une cellule professionnelle et une cellule de reconversion. Avec donc bien sûr un pôle espoir, alimenté par les deux sections amateurs. Moi je suis prêt à, à poser la question à, tout, à tous les, les amoureux de Biarritz. Hein. Moi je n'ai aucun problème hein. qu'on fasse, qu fasse pareil à Bayonne et, et, et qu'on fasse pareil à Biarritz. Après on verra exactement ce que, ce que ça donnera. Il faut pas brûler les étapes. Si demain on doit on doit pouvoir y arriver, euh, ça se passera naturellement et ça se passera euh, uniquement parce que euh, on ne pourra pas faire différemment. Fusion, alors c'est un, un terme qui plaît pas à certains ou en tout cas d'entente euh, entre entre les deux clubs à, à moyen ou ou long terme. Euh, moi, ça me dérangerait pas. De... Je préférais jouer euh, dans un club. Euh, du Pays basque qui, qui joue le haut du tableau, qui soit sportivement craint partout en France, que, que, que chacun jouait dans son club et, et jouait les, le bas de tableau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite L avoir un grand club au Pays Basque et que ça gagne, et qu'il soit champion d'Europe et qu'on qu ne parle que de lui. Si un jour on va avoir une grande équipe au Pays basque, il faudra bien. On hein, sera bien content de monter tous les ans à Paris euh, voir la finale. J'étais moi pour une fusion de, de, de 2000 euros à Bayonne. Mais ça n'empêcherait pas qu'il y ait d'autres équipes en première division, mais une super équipe. Il faut faire une équipe du Pays Basque, avec 40% pris par Bayonne, 40% pris par Biarritz, et les 20 autres pris par tous les clubs du Pays Basque. C'est-à-dire que cette équipe-là sera la première de tout le monde. Et là, tout le monde va s'identifier à cette équipe. Ou alors on se dit, chacun chez soi. Et puis celui qui sera le plus fort, tant mieux, et l'autre disparaîtra, et puis on verra bien ce qui se passera. Et peut-être on le sera amené à disparaître les deux. Si les grands penseurs, là, y arrivent à trouver quelque chose. Alors je crois qu'entre l'équipe de France et le club, il y a peut-être une strate intermédiaire qui s'appelle un comité ou une franchise, peu importe le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Et il y a une compétition qui se prête à ça, je l'ai déjà dit, qui s'appelle les Coupes d'Europe. Et peut-être que si les uns et les autres dépassent leur propre clivage, ils peuvent arriver à cuire, comme l'ont fait les Irlandais ou le font d'autres, dans une compétition spécifique, une province, quand elle a une âme, et je crois que cette province a une âme, une communauté humaine qu'elle soit de bayonne de biarritz de dax de monde de marsan ou d'ailleurs il y a une identité commune alors pourquoi réfléchir en réduction et ne pas essayer de réfléchir en sortant par le haut surtout quand on a une histoire